Ah là là. Oula. Tu sais, je me dis... Ouais, ouais, ok. Et puis là, je regarde, je vois, c'est tout décalé. Tu sais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord, donc encore d'héroïne, où c'est tout complètement... complètement... Oula. Les chasseurs éclinent encore. Viens. C'est pas très chaud comme créature, ça, en tout cas. Je sais pas pourquoi ils nous en mettent autant, hein. C'est tellement faible. Ils feraient mieux nous en mettre encore plus, ouais. Les seules créatures, en tout cas, que j'ai galérées, c'est celles qui se dédoublaient, là, dans les livres noirs. Celles-là, j'avoue qu'elles étaient vraiment balèzes. En légendaire, ça doit donner quelque chose d'assez... assez chiant à battre. Putain, mais je sais pas où est-ce que je vais, mais j'y vais, hein. Là, je m'enfonce, hein. Au plus profond de la ruine. Allez. Lance de l'or, de la viande. Et je me casse. Aïe. C'est quoi qui m'est pris? Quelque chose qui m'est tombé dessus? Aïe. Putain. Mais c'est quoi? C'est quoi ces trucs? Ça te tombe dessus en fait. Bon ouais, bon c'est pas grave. Par où est-ce qu'on va maintenant? Je veux savoir par où je dois aller. Heureusement que c'est un peu couloir. Ah bah voilà, des Dwemers. Un peu de Dwemer, bah c'est ce qu'on s'attend à trouver dans des ruines Dwemer, hein, je suis désolé de le dire. Activez vous deux. D'accord, c'était inutile. Apparemment, il y a plusieurs passages. Chasseur. Bon, t'as l'air d'être mort sur un piège, toi, ou je sais pas ce que c'est. Ouais, on dirait un piège. Bon. Ah, j'ai l'impression. Attendez. Bienvenue sur Air Raven. Aujourd'hui, nous allons piloter un nouvel avion dans des ruines. Ça va être énorme. Attention, j'active le premier bouton. Ça sert à quoi de tous les activer en fait? Le premier bouton n'a pas l'air d'avoir fait grand effet. Nous allons devoir appuyer sur le deuxième bouton. Qui n'a pas l'air de fonctionner également. Nous allons appuyer sur un autre. Encore un. Voilà. On va encore appuyer sur celui-là, puis celui-là. Enfin celui-là. On va terminer par celui-là. Et voilà. Oh là, oh. Wow, wow, doucement. Oh là, j'ai tout activé. Ah bah ça peut être marrant. Allez, Jordis. Vas-y, Jordis. Ouais. Bouillard. Tu vois, tu te démerdes très très bien. Bon, allez. On va désactiver tous ces putains de pièges, là, parce que... Bon. Voilà. Ça, c'est la flamme. Ça, c'est quoi? Ça m'enlève un piège? On va appuyer dessus. Et si j'appuie sur celui-là? Ah, la porte là-bas s'est ouverte et le piège s'est enlevé. Sauf qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai pris un truc inutile, encore une fois. Crochet, potion de visée. Ouais, bah c'est bon, c'est pas une potion de visée qu'il faudrait. Ce sera un vrai skill. Dans la précision. Si j'appuie là. Non, ça a fermé une porte, on dirait. Donc on va réappuyer. Je veux juste que les pièges soient désactivants. Je vais appuyer dessus. Celui-là peut-être. Je veux juste que ce putain de piège soit désactivé, moi. Rien d'autre. Non, rien, putain. Allez. Je vais te désactiver, petit piège. Tu verras, sauf c'est le dernier. Non, que... Ah. Bon, je sais pas lequel c'était. Je pense que c'était le... Ah putain de bordel de chiasse. Voilà. Allez dégage. Et dégage. Oh tu me fais chier. Allez je vais même dedans. Oh. Oh oh oh. Putain. C'est de chance que j'ai eu. Putain je commence vraiment à crever de chaud. Moi j'aurais mieux fait de prendre une bouteille d'eau. Pour tenir encore. Parce que là ça fait à peine même pas une heure que j'enregistre. Même pas une heure. Donc ici il n'y a rien. Continuer par là, où ça va être le bon chemin. Porte. En tout cas, c'est marrant, j'avais jamais vu un truc pareil. Ah, on connaît tout ça. Il faut frapper avec une flèche au bon moment ou quoi. Bah, il faut frapper, voilà, et puis ça active quelque chose. Et apparemment, ça a pas l'air d'être la classe, puisqu'il y a plein de bestioles qui ont l'air d'être réveillées. C'est pas grave, on va les rendormir, hein. Moi, j'ai un très bon remède. Tu vois, c'est que ça. Araignée huileuse. C'est tout. Voilà. Ah, ça lâche, d'accord. Ouais, et puis si quelqu'un arrive avec un sort de feu, il fait tout péter. Là, je connaissais pas ces araignées. En plus, elles sont organiques, on dirait, c'est chelou. Ce sont des vraies araignées.
pas des robots. Ça, c'est génial. Oh là là, mais si quelqu'un enflamme ça, pff, je te raconte même pas. Et je ne le ferai pas. Non, je déconne, je vais le faire. Allez. Destruction. Flamme. Yeah. Ah, ouh. Oh, ça va, pétasse, tu vas pas me faire chier. Ah putain, j'ai ouvert la voie. Allez, go, on s'en fout des flammes. Ça nous fait rien. Enfin, si, ça nous fait du mal, mais c'est pas grave. Bon, tu... Ah, oh, il a bugué. Ah, oh, il a bugué, regardez, il a pas son marteau. Quoi, ce bordel? Marteau. Ah, oh, il a bugué. Non, mais... Oh non, le bug. Allez, équipe-toi. Voilà. Putain, il avait bugué. Oh, j'hallucine, ça m'a jamais fait ça. Ah, regardez. Bien caché, mais c'est raté. Voilà. Allez. Allez, délivre-nous. Pip. Voilà. Je sais pas du tout ce que ça active. Ouais, la porte. D'accord. C'était pas très compliqué à trouver, hein. On s'enfonce toujours dans ces ruines, mais j'ai rien trouvé d'intéressant encore. J'aurais aimé trouver les gemmes, là, des ruines, justement, que j'ai pas pu découvrir, là, de Cagrumès, je crois que c'était. Donc, il y a des gemmes, et je sais pas où est-ce que c'est. C'est assez énervant. Bim! Voilà! C'est vrai que c'est chiant, Cagrumès, là, j'aurais bien aimé y aller, mais bon... Ouais! Non, depuis quand tu tires deux flèches comme ça, t'es... Hein? Depuis quand? Voilà, t'en perds la boule. Ensuite, là. Dernier, voilà. Bon bah y a rien de spécial, hein. Toujours rien de spécial, quelques petits monstres, rien de très effrayant. Rien de vraiment insurmontable, hein. Je suis en expert, je le rappelle encore une fois. Et pourquoi je ne me mets pas en légendaire, j'en sais rien. J'en sais rien, j'avais dit que je le ferais en expert le jeu, là. Donc. C'est impressionnant. Ouais, tu t'impressionnes de peu de choses, toi. Regarde ça, y'a pas grand chose. Alors, je suppose qu'il va falloir que je marche là-dessus. Donc, ça va être par là. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. D'accord, ouais, ça se passe de commentaires en tout cas. Bon, on va y aller, hein. Wouh! Si je tombe dans l'eau, ça fait quoi? Je ne sais même pas. Ah, d'accord. T'as les araignées qui arrivent en même temps pour essayer de te faire chier. Voilà. Et... Hop là, et... Oh, putain, c'est dommage qu'on peut pas taper en sautant. Ça ferait un truc encore plus joli. Bon, en tout cas, j'ai trouvé la porte. Hein. Bon, maintenant on est dans les couloirs et Jordi c'est mort. Jordi c'est apparemment porté disparu pour l'instant. Bon, c'est pas grave, elle reviendra bien un jour. Hein. D'accord, j'ai dû activer un piège. Tu sais, j'avance à reculons comme ça. Ah, Jordis, bah, tu t'as pris le chemin du téléport. Voilà, coupé en deux. Déverrouiller la porte, adepte. Quoi? Oh, vas-y, mon crochet, c'est peu de direct. Bon, pour moi, ça prouve que c'était pas comme ça. Aïe. Non, merde. On va y arriver, les amis, on va y arriver. Un petit peu plus de doigté. Voilà. Quand on prend un peu plus notre temps, ça marche tout à tous les coups. Donc le coffre, hein, sur les stagiaires, il doit rien avoir d'intéressant. Gemmes, de l'or, potion de vigueur, gantelet de cuir. Hache Dwemer, épée Dwemer. Ouais, diary Dwemer, voilà, bon, il n'y a rien d'intéressant. Tu te pousses, voilà, merci. Donc, bah, et si je vais par là? Ouais, c'est tout ce qu'il y avait. Bon. Un peu déçu. Ah, regardez. Une valve, ça sert à quoi si j'active? Merde. Moi j'active tout. Je sais pas quoi ça a servi ce que j'ai fait, mais bon. Ils étaient pas obligés de nous mettre un temps de chargement pour ces portes, hein, s'il n'y avait que ça. Enfin, moi je dis ça comme ça. Hein. Là, grand baliste de Quaver. Putain. Ça fait mal ces flèches. Je les prends. Voilà. Allez, salut! Sachant qu'il reste un morceau de toi, je peux toujours te fouiller, hein, ce qui est totalement incompréhensible. Mais c'est pas grave. D'accord. Maintenant, il faudrait que j'aille là-bas. Pour continuer. Et je fais comment? Aïe! Putain, merde. Je suis une proie facile. Cachons-nous. Ah! Ah, putain. Ah, ça...
Ça faisait un petit peu mal. Ça picote un petit peu au niveau de la gorge. Je ne sais pas, connasse. Bon. Maintenant, je sais pas où aller. Donc, peut-être qu'avec la valve, ça a activé autre chose, je sais pas. Donc, on va. C'était pas. Ah, mais d'accord. Bah, on retourne par là. Ah, pouf. C'est bon, je suis pas tombé dans l'eau. Ok, donc on retourne en arrière. Là, je retourne complètement en arrière. Hein. C'est normal, je sais ce que je fais. Enfin, non, pas du tout, mais. Ok, hop. Voilà, maintenant on va aller de ce côté. Côté que je ne suis pas encore allé voir. Voilà, number 2. Oh, chier. Bon, c'est pas grave. Il doit bien avoir un moyen de remonter. Par là-bas. Ouais, on peut remonter par là. Ouais, en fait, les engrenages, c'est fait exprès pour t'emmerder, je crois. C'est vraiment le truc. Oh putain. Voilà, doucement. Oh là, je me suis tapé un freeze. Petit freeze. Bon. Oh là là, oh là, ça freeze. Ok. On va faire un truc. On va sauvegarder ici. Sauvegarder là. Parce que là, ça pue le freeze. Ça pue le freeze, les amis. Et je n'aime pas du tout la tournure que ça prend. Oh non, pas la session VK à partir d'une heure. Non, 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 c'est pas cool. Voilà. Sauvegarder sur ma précédente sauvegarde. Vous voyez, ça fait 10 jours que j'ai pas joué. C'est pas plus. Je sais même plus combien on est. Voilà. Donc, ça fait un petit moment que j'avais pas joué. Allez, sauvegarde, bordel de chien. Ça va pas attendre 3 heures. Voilà. Comme ça. Au moins, si jamais ça bug trop, et ben. Bah voilà. Tu sais, au moins, si jamais ça bug trop, et ben. Bah, c'est tout. Ah oui, maintenant je peux plus aller là-bas, quoi. Mais si, mais j'ai toujours pu y aller en fait. Je pars là. Mais putain. Ah, je sais pas quoi faire. Si, il faut aller de ce côté-là maintenant. Puisque je suis allé de ce côté-là-bas. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire là-bas. Donc maintenant. On essaie de bien sauter vers les engrenages. Oh merde, putain, tu vois ta mort arriver quand tu regardes comme ça. Y'a plus rien. Mais y'a plus rien. Faut pas passer par là alors. Putain de bordel de merde. Faut passer par où alors? C'est depuis que j'ai activé cette putain de valve là de merde. Ah oh là là. Hop. Donc attendez. Putain, comment je vais faire? Je suis totalement perdu. Là, ces engrenages. Ah, attendez. Peut-être qu'il aurait pas fallu que j'active la valve. Ce qui a eu pour conséquence de me permettre de ne pas pouvoir aller là où je voulais. C'est-à-dire là-bas. C'est une possibilité de ne pas écarter. Et je vais même. Ça va être drôle, tiens, vas-y, viens voir, putain, qu'est-ce qu'on va rigoler. Allez, Jordis. Oui, Jordis, oui. Oh, bon, bah non. Oh, putain. Là. Ah, je me fous de sa gueule, mais moi, c'est pas mieux. Hop, allez. Bon, on est revenu dans les couloirs. Les couloirs sacrés et extra minuscules. Aïe. Mais y'a rien d'autre. Ah non, y'a vraiment rien d'autre. Pourquoi il fout un temps de chargement là alors? J'ai pas compris. Alors, et maintenant? Et par là, y'a quoi? Bah. Putain, mais je tourne en rond moi! Ah, oh, je comprends plus rien. J'étais même pas obligé de passer par là du coup alors. Donc attendez. Le levier c'était pour ça, je suis quasi sûr. Valve! Aucune idée de ce que ça a pu activer. Aucune idée. Mais y'avait pas un levier là activé? Non. Non, 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 y'a pas de levier, y'a rien du tout. Oh là là! Alors attends. Et les engrenages, est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que je peux aller? Attendez. Putain, par où je peux aller? Là-bas, c'est là d'où je viens. Donc moi, l'idéal, ce serait d'aller par là.
Bardan idéal. Allez, go. Bouclier de Stalrin de Fun. Et ours. Voilà. Allez, hop. Ah, oui, je ne suis jamais allé par ici, donc ça c'est bon signe. Merci l'araignée de m'indiquer mon chemin. Par là-bas. Voilà, mort arrivée, j'aime pas regarder comme ça. Tout à l'autre qui te tire dessus en même temps, normal. Whoop. Voilà. Bon. On va lui faire sa fête là, celui qui nous tire des flèches dessus. Rien ici. Là, je parie que c'est encore, voilà, brasserie. Et carrément une brasserie, tu sais. Ah bah là-bas, ça te fait boire aussi des bières, hein. Toi, aimer ou pas. D'accord. Et là, y a rien là-bas. Ça veut dire que j'aurais dû activer la valve. D'ailleurs, je me suis sûrement fait baiser la gueule. Alors, j'en sais rien. On va voir. On va aller à la brasserie. Alors, maintenant. J'entends du bruit. Voilà. Jordis qui sort son épée. C'est pas bon signe. Regardez. Bim. Voilà. Par là. Enfin, non, c'est pas. Ah, je peux même pas y ouvrir. Quelle cochonnerie. Quelle cochonnerie. Ah là là. Bon. Ah bon, on va passer par là, hein, tant pis. De toute façon, c'est peut-être le bon chemin, hein. Je sais pas. Je me suis totalement perdu, moi, dans ce jeu. Depuis le début, je suis vraiment perdu. Je cherche coffre. Grenat, or. Potion de vigueur. Bon. Je cherche le coffre, diamant, de l'or, potion se concentrer, patata, patata. Ah, toi. Oh non, il va me tirer dessus. Non, 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 ne me gicle pas dessus. Non. Oh. Bouillard. Voilà. Bon, ça c'est fait. Et je peux toujours pas passer, putain. Il doit y avoir un interrupteur quelque part. J'adore quand elle crie comme ça. Ah, tiens. Tiens, tiens, tiens. Uline. Journal d'Uline. Eddie s'est resté en arrière sur les engrenages pour retenir les monstres de métal. Comme elle n'est toujours pas revenue, je vais devoir continuer en espérant qu'il ne lui soit rien arrivé. Malheureusement, ma progression est entravée par une porte que je ne peux pas ouvrir. En suivant les tuyaux, remarque que la porte est contrôlée par la grande chaudière qui se trouve au centre de la pièce. Je vais essayer de tirer sur les résonateurs avec une flèche pour voir si la porte s'ouvre. Et tu as trouvé la mort. C'est bien. Ouais, c'est comme ça. Arcor d'amenuisement. Ouais. Et je prends aussi. Oh putain, j'ai pris une plume. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai pris une putain de plume ! Oh, j'ai pris une plume ! Ah, c'est bon. Ah, mais c'est parce qu'après j'ai. Non, mais oh, j'ai pris la. C'est au moment où j'ai pris la plume, s'il te plaît. Non, mais n'importe quoi. Bon, bah, lâchez une torche. Oh putain, au moment où j'ai pris la plume, quoi. Sans déconner, ils sont sérieux. Ah, mais ces résonateurs-là. Tout ça. Bon bah. Arc et flèche. Je sais même pas si j'en ai. Bah oui, bah, je l'ai récupéré sur lui, l'arc. Allez. Arc. Ouais, 20 points de dégâts de magie, on s'en fout. Non, pas de flèche Falmer, putain, mais il est con. Flèche. Putain, mais j'ai même pas de flèche! Prends des flèches d'ordi quantique, c'est pourri. Nya. Allez. Ya! Bim! Occupe-toi-en, Jordis. Je n'ai pas le temps avec ce menu fretin. Je dois. Hop. Ajuster mes tirs. Ouais, regardez. Ça allume le truc. Là. Hop. Ah merde, non. Ah. Putain, mais c'est quoi ces tirs? Mais regarde ça, faut que je tire hyper haut, excellence de merde. Non. I've got a better idea. Voilà, déjà. Oh putain, mais c'est super chiant. Voilà. Et si je montais là-dessus? Est-ce que je peux? Non. Non. Fail. Fail. Oh putain.
Va falloir tout que je m'y fasse à l'arc. Et bah, il y en a pour 3 heures, les amis. J'espère que vous n'êtes pas pressés et que vous avez préparé votre café. Parce que là... Oh putain, ça va être très très moche. Jordi, si tu t'en sors là ou... T'as pas trop l'air. Putain, passe-moi ton arc ou ta flèche. Ou tes flèches. Ah, tiens, on va échanger des trucs. Tu le sais très bien. Flèche d'acier, je prends. Je te les rendrai, t'inquiète pas. Et puis c'est tout. Le reste, je m'en fous. Non, juste des flèches. Au moins, comme ça, je me ferai pas arnaquer. Voilà, et avec... Voilà, flèche d'acier. Perfecto. Allez, go. Bim. D'un. De deux. Ah, merde, je l'ai pas eu. Putain, mais non, allez. Je suis une merde à l'arc et je la suis... Non mais sans déconner, comment tu peux faire ça? Voilà. Putain, allez. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai rien compris. Allez, c'est reparti pour des monstres. Si j'essaie de tout activer, oh, je m'en fous, ça me fait pas de dégâts. Jordi, se te bat pas à côté de moi, putain, allez ailleurs. Mais putain, oh, je tire dessus. Putain, pas que je suis pas dessus. Ah, oh, j'en peux plus de cet arc. Ah, oh, les arcs. Hop, putain, allez. Putain, mais ça fait tout trembler. Allez. Mais putain, ça fait rien! Ça. Ouah, ça me pample d'air! Ouah, ouah. J'en peux plus! J'en peux plus! Ça va me faire devenir barjo! Ouah. Ah! Putain de merde! Ah! En plus, je meurs! Oh bordel!